Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons la grande chance aujourd'hui d'avoir deux chefs-d'œuvre du département des objets d'art sur la scène. Il s'agit des deux panneaux de retable en émail peint réalisés par Léonard Limousin sur commande du roi Henri II pour la Sainte-Chapelle. Les commentaires de Françoise Barbe, conservateur en chef au département des objets d'art, alternés à ceux de Béatrice Béillard, restauratrice au même département, et accompagnée des mouvements des caméras, permettront d'explorer les différents aspects de cette pièce majeure de la Renaissance française. Cette œuvre en scène rend compte également des recherches menées dans le cadre d'une nouvelle restauration menée par Béatrice Béillard et Agnès Gall-Hotlik en 2017. J'ai aussi le grand plaisir de vous annoncer l'apparition vraiment toute fraîche du solo consacré à ces deux retables par Françoise Barbe, Béatrice Béillard et Guy-Michel Leproux, publié aux éditions du Louvre. Donc je remercie Françoise Barbe qui va commencer à présenter ses œuvres exceptionnelles. Merci. Nous sommes très heureuses de présenter ces deux œuvres en émail peint sur cuivre, exceptionnelles tant par leur qualité esthétique et technique, par leur origine, une commande royale, par le lieu auquel elles étaient destinées, la Sainte-Chapelle de Paris, exceptionnelles par l'histoire qu'elles ont vécue entre la date de leur création en 1553 et 1816, celle de leur arrivée au Louvre. Exceptionnel également par le nombre extraordinaire de documents, textes ou images conservés à leur sujet, et notamment leur première restauration en 1799. Nous allons donc vous présenter cette œuvre avec ma collègue Béatrice Béillard selon le plan suivant. D'abord la description iconographique, l'aspect technique avec Béatrice, la question des modèles iconographiques qui ont été utilisés par les mailleurs, l'histoire de la commande à l'entrée au Louvre, et enfin les différentes opérations de restauration jusqu'à celle fondamentale. Enfin, dont on va précisément vous parler, et qui date de 2016. L'iconographie tout d'abord. Avec les scènes principales de la crucifixion et de la résurrection du Christ, cette iconographie est naturellement en lien avec la destination des œuvres, la Sainte-Chapelle, fondée par Louis IX, futur Saint-Louis, au milieu du XIIIe siècle, au sein du Palais de la Cité à Paris. Conçue comme une immense châsse de pierre et de verre, elle est destinée à recevoir les reliques les plus insignes de la chrétienté, acquises à Constantinople par le roi, la couronne d'épines du Christ et les reliques de la Passion. C'est dans la chapelle haute de cette sainte chapelle que prennent place, en août 1553, sur ordre du roi Henri II, les deux tableaux d'autel exécutés par Léonard Limousin, émailleur et peintre de la chambre du roi. Les deux scènes principales sont émaillées sur de grandes plaques ovales placées au centre de la composition. Nous allons commencer par évoquer le panneau de la crucifixion qui présente, vous allez voir, à de multiples endroits les emblèmes du roi François Ier. Tout d'abord, l'initiale de son prénom, le F, qu'on voit apparaître à différents endroits du panneau et notamment dans la partie haute, le F qui encadre les armes de France surmonté de la couronne et entouré du collier de l'ordre de Saint-Michel. On va voir également à plusieurs reprises la petite salamandre qui symbolise le roi. Alors, cet animal était considéré comme un peu magique puisqu'il ne se consumait pas dans le feu mais au contraire s'en nourrissait. Donc, on va voir aussi le lien qu'il a avec la devise du roi. Donc ici, voilà les F et deux petites salamandres vers le bas. Sur les plaques également circulaires qui encadrent le panneau central, plusieurs médaillons sur fond bleu avec des petites salamandres. Le F du roi. Alors, j'en profite pour vous dire que chaque panneau comporte 23 plaques émaillées. Donc au total, sur les deux panneaux, on a 46 plaques émaillées. Voilà, on arrive vers le bas avec donc la devise de François Ier sur un cartel, dans un cartel sur fond blanc. La devise du roi, « Nutrisco et extingo »,
ici, il y a une petite variante dans cette devise avec extingor à la fin qui s'explique difficilement. Donc les interprétations de cette devise sont variées, font aussi référence à la salamandre. Donc je nourris et j'éteins, je me nourris du bon feu, donc de la vertu, et j'éteins le mauvais feu, le mal. Sur la plaque centrale, qui présente la crucifixion, le Christ est entouré des deux larrons, surmontant un nombre important de personnages au pied de la croix, avec au premier plan le groupe de la Vierge évanouie étendue au sol, entourée des saintes femmes, qui s'oppose à la violence des hommes se disputant pour le tirage au sort de la tunique sur la droite. Au bas de cette plaque, on peut lire dans un cartel sur fond blanc l'inscription suivante: Léonard Limousin, émailleur et peintre ordinaire de la chambre du roi, Maffei, M.F., avec la date 1553. Vous allez voir que Léonard Limousin place beaucoup d'inscriptions sur chacune de ces plaques, on y reviendra. Cette crucifixion centrale est donc entourée de quatre plaques courbes pourvues d'un décor en camaïeu d'or sur fond noir et de petits médaillons ovales qu'on a déjà évoqués. Donc, dans la partie inférieure, la salamandre qui alterne avec des apôtres. Des mascarons, des voiles, des différents motifs peints à l'or. Voilà. Dans la partie supérieure, ce sont les évangélistes qui alternent avec les salamandres. Autour de l'ovale central qui représente cette crucifixion, on trouve quatre écoinçons représentant les anges de la Passion sur fond bleu. Chacun porte les instruments de la Passion. Celui-ci présente donc les clous. C'est une plaque qui est datée 1552. En dessous, l'ange présentant les fouets, une plaque datée 1553. De l'autre côté, l'ange portant le voile de Sainte Véronique et au-dessus, celui portant la colonne. Dans la partie supérieure du panneau, deux médaillons circulaires présentent des scènes de la vie du Christ. Le Christ au jardin des Oliviers, avec donc toujours les initiales LL pour Léonard Limousin et une date, 1553. Et de l'autre côté, donc le portement de croix, qui n'est pas daté, pas signé, celle-ci. Enfin, dans la partie inférieure du panneau, deux autres médaillons présentent les portraits royaux. Nous sommes là donc sur le panneau consacré à François Ier, qui est présenté agenouillé devant un livre de prière, sur une plaque datée elle aussi 1553, et face à lui, sa première épouse, Claude de France, la mère d'Henri II, dans la même position, agenouillée en prière. Nous allons passer maintenant au panneau suivant, donc le retable de la résurrection du Christ, qui est lui dédié au commanditaire de l'œuvre, Henri II. Là encore, nous allons rencontrer les chiffres, les emblèmes du roi. Tout d'abord, l'initiale de son prénom, le H, qui encadre ici aussi les armes de France. Avec ce H, très fréquemment associé donc le croissant de lune, et sur les plaques circulaires qui encadrent le panneau central, donc où le H et deux croissants de lune, qui forment deux C, le H et les C entrelacés, croissants de lune, des croissants de lune qui alternent donc avec des feuillages, avec des arcs. À nouveau, donc le H et les C, les croissants de lune entrelacés. Et dans le bas, comme sur l'autre panneau, la devise royale: Donec
Totum impleat orbem, qui fait aussi référence à la Lune, qui peut être traduite et interprétée de différentes façons, mais donc on peut la traduire ainsi, jusqu'à ce que la Lune emplisse le ciel tout entier de son orbe, ou jusqu'à sa plénitude. Alors si l'emblématique de François Ier, avec donc, le F, la salamandre et la devise, était tout à fait sans ambiguïté, il n'en va pas de même de celle de son fils, longtemps interprétée comme l'emblématique de Diane de Poitiers, sa maîtresse. Ainsi, cette lettre H et les deux C entrelacés étaient lus et appelés les Henri Diane, donc étaient souvent lus comme deux D formant un H, en référence à Diane de Poitiers. Tandis qu'on peut considérer qu'il s'agirait aussi d'un H et donc de ces deux croissants de lune, dont le C peut aussi être l'initiale de Catherine de Médicis, la femme d'Henri II. Les récentes études dédiées à l'emblématique royale permettent de corriger cette légende sentimentale et montrent ainsi que ces croissants entrelacés, associés à cette devise, placent la lune au centre de cette symbolique et avec elle la déesse qui la représente, Diane, dont les emblèmes sont le carquois, les flèches et les arcs. Sur la plaque centrale de ce panneau, le Christ, au torse dénudé, est entouré d'une ample draperie rouge. Il se détache sur une auréole rayonnante, au-devant d'un espace évoquant une grotte. Il avance, le bras droit bénissant, le gauche portant un bâton surmonté d'une croix auquel est suspendue une oriflamme. Ses pieds sont posés sur la dalle du sépulcre, sur laquelle, une fois de plus, Léonard Limousin a posé une inscription, donc son nom, Léonard Limousin, Maffei 1553. Autour de l'ovale central, là encore, quatre écoinçons présentent les autres anges de la Passion sur fond bleu, qui tiennent donc respectivement la croix, c'est une plaque datée de 1553, au-dessous l'ange tenant l'échelle, la plaque cette fois-ci est datée 1552, de l'autre côté l'ange tenant la lance et l'éponge, et le dernier ange tenant la couronne d'épines, deux plaques datées 1553. Dans la partie supérieure du panneau, à nouveau deux médaillons présentant des scènes de la vie du Christ, la mise au tombeau, une plaque avec le monogramme Léonard Limousin, LL 1553. À gauche, la scène du Noli me tangere, le Christ est là, et Marie-Madeleine. Cette plaque-là est datée 1552. Pour terminer, dans la partie inférieure du panneau, on retrouve les deux médaillons présentant les portraits royaux, cette fois-ci, bien sûr, Henri II lui-même, dans la même position que son père, agenouillé, et face à lui, son épouse Catherine de Médicis. Je vais maintenant laisser la parole à Béatrice Béillard qui va vous parler de technique. Sur une feuille de cuivre de moins d'un millimètre d'épaisseur, l'émailleur va déposer plusieurs couches de verre coloré appelé émail. Elles subissent chacune une cuisson à une température inférieure de la température de fusion du cuivre qui est de 1083 degrés. Ces cuissons vont donc se situer aux alentours de 900 degrés et elle ne dure que 2 à 3 minutes. La plaque est enfournée dans le four rouge et défournée de la même façon. L'émail, il est composé de silice et d'alcala, auquel il faut ajouter un oxyde métallique colorant. Le manganèse pour le violet, le fer pour l'ocre et le noir, le cuivre pour le bleu turquoise et le vert, ainsi que le cobalt pour le bleu et l'étain pour le blanc. Ce dernier oxyde métallique est un émail opacifiant. Pour le revers, on parle de contre-émail. Cette couche sert à équilibrer les tensions sur les deux faces lors du refroidissement. Sur ces retables, il est toujours transparent avec des traces de support de cuisson. Les premiers émailleurs de la Renaissance travaillaient sur des fonds
émaillés opaques, blancs, noirs, et parfois même les deux à la fois, comme chez le pseudo Monverni. À partir de 1534, Léonard Limousin va reprendre une technique mixte qui a déjà été utilisée par le maître de l'Énéide. Elle consiste à ne plus avoir un fond blanc continu sous les plages colorées, mais à réserver des surfaces où le cuivre transparaîtra. Avec ces plages translucides, l'émailleur recherche un effet de profondeur à côté des émaux sur fond blanc plus plat. Sur la plaque de Vénus chez Vulcain, vous avez ici le ciel qui est posé sur fond blanc et tous les fonds ondés sont également posés sur fond blanc, retravaillés à l'aiguille. Et les grandes plages architecturales ici et ici, ces plages sont traitées en émail vert et ocre, émail translucide, posé directement sur le cuivre. Revenons maintenant à la technologie de ces retables avec une stratigraphie qui présente la superposition des différentes couches émaillées. Après avoir légèrement bombé sa plaque de cuivre pour qu'elle résiste aux feux successifs, l'émailleur la recouvre entièrement d'émail transparent, revers et face. Il pose ensuite le dessin des masses pour délimiter les plages sur fond blanc et les plages en transparence sur le cuivre. Sur la stratigraphie, vous avez la plaque de cuivre en orange, vous avez le contre-émail numéro 2, et dessus, ce qu'on pourrait appeler un émail préparatoire transparent. À ce stade, la plaque va subir sa première cuisson. Tout le travail se passe ensuite sur la face. L'artiste dépose une couche d'émail bleu sombre sur toute la surface en délimitant les plages qu'il recouvrira d'émail ocre. Donc vous avez toute cette partie qui est traitée en émail bleu sombre, sauf le fond de la grotte, les genoux ici, les jambes et les taches ocre ici des plumeaux et une autre petite ici. Vous êtes sur la couche 4, donc vous avez l'émail bleu à gauche, l'émail bleu à droite, et au centre, cette grande surface d'émail ocre, et la plaque va être cuite pour la seconde fois. Ensuite, il recouvre de blanc toute la surface émaillée en bleu sombre, à l'exception de la surface des paillons. Je vais revenir sur la notion de paillon. Sur l'émail ocre, seul le Christ est déposé en blanc. Je vous ai dit déposer parce qu'effectivement, le travail se fait à la spatule et cet émail blanc est travaillé avant la cuisson. Le dessin est incisé à l'aiguille dans la couche blanche pulvérulente pour faire remonter l'émail sombre sous-jacent. L'émailleur amincit également ce fond blanc dans l'épaisseur pour modeler les rochers et les carnations qui prennent alors une teinte bleu-gris. Ici, sur les rochers, vous avez à la fois un dessin incisé à l'aiguille et vous avez également une sculpture dans l'émail blanc de façon à faire remonter les gris sous-jacents. Il en est de même pour le corps du Christ qui est entièrement dessiné à l'aiguille et dont la musculature est modelée par enlevage de blanc dans l'épaisseur. Nous sommes sur la couche 5, ici, avec l'émail blanc à gauche, l'émail blanc à droite et le corps du Christ au centre de la plage ocre. La plaque est cuite pour la troisième fois. Nous abordons maintenant l'utilisation des paillons d'or et d'argent. Les paillons sont de minces feuilles métalliques qui réfléchissent la lumière sous un émail transparent coloré. Ils sont toujours utilisés pour augmenter la réflexion de la lumière et sont situés sur les vêtements et sur les cuirasses. L'utilisation de l'or théoriquement réservé aux orfèvres est ici exceptionnelle et liée à la commande royale faite à Léonard Limousin. Après avoir collé le paillon avec une pectine de fruits, l'émailleur peint le dessin, cette fois-ci au pinceau, sur les feuilles métalliques.
si ce dessin était peint à l'aiguille, il arracherait la feuille métallique qui est très légèrement collée. Donc sur la stratigraphie, vous avez les paillons d'or en rouge, les paillons d'argent en jaune, toujours sur la couche 5. Et la plaque subit sa quatrième cuisson. Maintenant, nous abordons la couche des émaux colorés, la couche 6. Les paillons d'or sont toujours recouverts d'une mince couche d'émail rouge. Le plus exceptionnel est bien sûr celui-ci, celui du drapé autour du Christ, mais vous allez en voir un autre peu après, extrêmement intéressant également, sur la robe de Marie-Madeleine du Noli Me Tangere. Les paillons d'argent, quant à eux, sont recouverts d'émail turquoise, de vert, de cuivre et de bleu en fonction des plaques. Vous voyez ici un très joli détail de la peinture de ce personnage posé sur la feuille d'argent sous l'émail translucide. Les autres surfaces sont recouvertes d'émaux colorés bleu, vert, jaune et brun posés sur le fond blanc. Nous sommes donc ici sur le niveau 6 et la plaque va subir sa cinquième cuisson. Maintenant, les deux dernières couches, 7 et 8, sont celles des rayons de lumière. Le premier rayon de lumière est réalisé avec des glacis blancs. Il éclaire les plis des vêtements, des mèches de cheveux ou encore les arêtes des architectures avec des apports de glacis blancs déposés sur les parties qu'il veut éclairer ou modeler. J'ai choisi cette image, mais en fait, ce glacis blanc se trouve absolument partout sur chaque plaque. Mais le vêtement de Marie-Madeleine serait très plat s'il n'y avait que le dessin noir. Les rayons blancs modèlent les plis en y apportant de la lumière et permettent un certain mouvement de ces plis. Le visage de Marie-Madeleine est traité à l'aiguille dans le blanc de façon à obtenir les contours bleu sombre ainsi que le dessin de l'oreille et de la chevelure. Et ce blanc est également aminci pour que le cou et le menton soient plus sombres et ils sont également hachurés comme le ferait un graveur pour ombrer ses volumes. Vous avez ici ces petites hachures, mais vous en avez également ici. Dès qu'il veut faire une ombre, il hachure la surface. Enfin, les carnations sont rehaussées avec un lavis rouge de fer. La plaque subit alors sa sixième cuisson. Et la dernière cuisson concerne les rayons d'or, peints alors liquides cette fois-ci. On va les trouver essentiellement autour du Christ. L'auréole, les rayons et les reliefs des drapés tournoyants sont rehaussés avec de l'or peint. La plaque subit sa septième et dernière cuisson. Donc, c'est schématique, il y a au moins 7 cuissons sur ces plaques émaillées, mais il est possible qu'il y en ait beaucoup plus. Voici maintenant quelques traits techniques et caractéristiques de cet émailleur. Tout d'abord, les fonds marbrés. Dès le début de sa production, en 1534, avec les premières œuvres datées et signées, ici vous avez Adam et Ève chassés du paradis, et c'est une plaque datée 1534, signée également, conservée au musée des Beaux-Arts de Limoges. Et vous voyez que Léonard affectionne dès le début la juxtaposition de couleurs autour du rose, aussi bien sur les arbres que sur le tombeau, ici, ou encore sur le linceul de la mise au tombeau. La technique de la grisaille apparaît dans ce retable sur le fond bleu dans le paysage nocturne à l'arrière du Christ au jardin des Oliviers. Sur une couche très fine d'émail blanc, le dessin est peint en noir, puis toute la surface est recouverte d'émail bleu. Après cuisson, ce bleu est rehaussé de blanc pour suggérer la lumière apportée par le lever du jour venant de la gauche. La foule de soldats qui viennent arrêter le Christ est dessinée à l'aiguille dans une fine couche de blanc. Pour finir, un lavis de rouge de fer et de jaune d'antimoine viennent rehausser cette grisaille. La dernière technique caractéristique de Léonard présente sur ses retables est la technique du portrait.
Les portraits des souverains témoignent ici d'une mise en œuvre différente de l'émail peint, davantage comparable à celle de la miniature en émail. Les carnations sont traitées au pointillé avec comme liant une huile et non de l'eau. Cela permet un trait précis qui diffuse beaucoup moins qu'avec de l'eau. La superposition de touches miniaturisées se retrouve également dans le rendu des cheveux, la texture des vêtements, les effets de fourrure. Il en résulte malgré tout une certaine sécheresse du traitement des personnages, très éloignée de la souplesse et du moelleux des autres visages, pensez à celui du Christ ou à celui de Marie-Madeleine que nous avons vu précédemment. Dans la majorité des cas, les émailleurs de Limoges s'inspiraient pour leur modèle graphique de modèles à la mode, le plus souvent d'estampes, qui circulaient facilement dans toute l'Europe. Les retables de la Sainte-Chapelle témoignent au contraire de l'utilisation par Léonard Limousin de modèles spécialement exécutés pour l'occasion. L'iconographie des retables, naturellement en lien avec les précieuses reliques conservées dans l'édifice, ainsi que l'emblématique, ont probablement été dictées par le roi. L'émailleur, quant à lui, a sans doute décidé de l'agencement d'ensemble, associant pour chaque panneau 23 plaques de formes et de tailles très diverses. De même qu'il a aussi supervisé la peinture des volets. Nous y reviendrons. Pour certaines figures, il reproduit avec une grande fidélité les dessins de Niccolo dell'Abate, peintre italien appelé sur le chantier de Fontainebleau en 1552 pour seconder son compatriote Francesco Primaticcio, dit le Primatis. La bibliothèque de l'École nationale des beaux-arts de Paris conserve 9 dessins attribués à cet artiste, correspondant aux 8 anges de la Passion, dont la forme adopte précisément celle des écoinçons émaillés, ainsi que le Christ au Jardin des Oliviers. Il se peut que certains des dessins conservés présentent une version modifiée par la suite. Le format ainsi que vous le voyez à l'écran du Christ au Jardin des Oliviers ne correspond pas tout à fait à la forme de l'émail. Le dessin de Niccolo dell'Abate a été ovale, un petit peu allongé verticalement, tandis que la plaque émaillée, le médaillon, est tout à fait circulaire. On voit également que s'adapter à cette nouvelle forme, l'émailleur a rajouté ici une partie du treillis, de la clôture en treillis d'osier et surtout ici la lanterne qui crée ce bel effet lumineux qui n'était pas présent sur le dessin. Pour revenir sur les anges, ces dessins, enfin, donc celui-ci mais aussi tous les dessins des anges, gardent encore sur le pourtour des figures, le long des traits marquant les drapés, mais aussi autour des plumes, des ailes des anges, des traces de trous de piquetage qui a permis leur transfert, soit directement sur la plaque de cuivre, soit plus probablement sur une feuille intermédiaire qui a été utilisée pour le report, le dessin original étant gardé intact pour s'y référer lors de l'exécution. Selon la technique du poncif, le dessin ainsi piqueté est tamponné à l'aide d'un petit sac rempli de poudre de graphite. L'artiste n'a ensuite plus qu'à suivre le contour des figures qui apparaît en pointillé sur la plaque. La grande qualité des dessins de Niccolo dell'Abate a été soulignée à juste titre. On constate une grande simplification des volumes de la part de l'émailleur qui ne peut atteindre l'extrême précision des dessins, même s'il leur reste très fidèle. Léonard ne cherche pas non plus à reproduire les nuances des lavis bruns et la précision des rehauts blancs, mais il les interprète avec toute la luminosité et la subtilité qu'apportent les émaux colorés, opaques ou translucides. Aucun autre dessin ne nous renseigne sur l'auteur des 2 scènes centrales et des 3 médaillons restants. Comme le recours à un peintre de la cour était la norme pour une commande royale de ce type, l'hypothèse la plus vraisemblable est de considérer que Niccolo dell'Abate ou un autre peintre également lié au chantier de Fontainebleau, livra les projets de l'ensemble des scènes religieuses. Notons que Léonard lui-même était un peintre de la cour et aurait pu fournir des dessins, mais il est peut-être étrange que Niccolo dell'Abate n'ait fourni qu'un seul des 4 médaillons. Quoi qu'il en soit, on n'a pas d'autres informations ni aucun autre document pour les autres scènes. Alors si on revient aux scènes principales, crucifixion et résurrection, l'iconographie
de la crucifixion est tout à fait traditionnelle au XVIe. Pour la scène de la résurrection, la position du Christ, ainsi que le drapé soulevé par le vent, ont été rapprochés du dessin d'un autre peintre italien, Francesco Salviati, dessin que vous avez là à l'écran, qui sera par la suite reproduit par la gravure. Cependant, un certain nombre de détails diffèrent qui conduisent à ne pas retenir le dessin de Salviati comme le modèle direct de cette œuvre. Notons que Léonard Limousin était aussi un graveur et qu'il avait déjà représenté la scène de la résurrection sur une estampe datée 1544. Il ne s'en inspire cependant pas 11 ans plus tard pour le retable de la Sainte-Chapelle et on peut vraiment souligner qu'en 1553, ces deux retables reflètent une nette influence italienne, témoignage des liens étroits tissés entre les artistes italiens et français travaillant à Fontainebleau. En ce qui concerne les portraits des médaillons inférieurs, les portraits royaux, on ne connaît pas les modèles précis utilisés par l'émailleur. Il s'est sans doute inspiré des recueils de dessins contemporains. Les plus célèbres de ces dessins sont sans doute ceux de François Clouet, dont vous voyez à l'écran un dessin d'Henri II. Mais on connaît finalement peu de portraits de profils de rois ressemblant à ceux de nos retables. La position des rois, agenouillés devant un prie-dieu, est en revanche assez proche de celle qu'ils adoptent dans les vitraux de la Sainte-Chapelle de Vincennes. Vous avez à l'écran donc Henri II représenté sur un vitrail de Vincennes. Mais comme vous le voyez, les habits sont très différents, ce qui n'a pas été sans poser problème lors de la restauration, puisque le manteau du roi était précisément une des zones altérées. Léonard Limousin, qui est aussi renommé pour ses portraits de la cour, a réalisé d'autres portraits, notamment des petites plaques rectangulaires de profil d'Henri II, comme vous en avez une ici à l'écran. Pour ce qui est de François Ier, qui adopte sur le retable la même position, à genoux, on retrouve aussi François Ier peint sur un vitrail de la Sainte-Chapelle de Vincennes. On peut d'ores et déjà noter que justement tout le décor de cette Sainte-Chapelle de Vincennes avait fait l'objet d'une commande, donc avait été aussi rénové sous Henri II, et donc les vitraux étaient vraiment l'objet d'une commande de Henri II. On y retrouve donc notamment les deux rois. Mais là encore, vous voyez qu'on n'a pas du tout affaire au même modèle. Léonard Limousin a aussi utilisé les traits de François Ier, représentés de profil sur un panneau émaillé, conservé au Louvre, donc dédié à l'apôtre Saint Thomas. Saint Thomas sous les traits de François Ier, qui est un panneau assez célèbre, qu'on appelle plaque des Feuillantines. Quelques mots sur l'émailleur. Léonard Limousin, qui serait né vers 1505, mort vers 1575-1577, est bien sûr émailleur, mais il est aussi peintre. On connaît un tableau de Léonard Limousin, conservé aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Limoges, daté 1551, qui représente l'incrédulité de saint Thomas. La figure du Christ n'est pas sans rappeler celle de notre Christ de la Résurrection. Donc Léonard Limousin est peintre, il est aussi graveur, on l'a vu avec la gravure précédente, mais sans nul doute, c'est le plus célèbre des émailleurs de Limoges, le seul dont la présence à la cour est attestée. C'est vraisemblablement grâce au soutien de l'évêque de Limoges, Jean de Langeac, qu'il est introduit à la cour de François Ier vers 1535. Il reçoit plusieurs commandes royales, notamment de François Ier, une série de 12 grandes plaques émaillées représentant les apôtres, dont la destination nous reste inconnue. Ils sont actuellement conservés au Musée des Beaux-Arts de Chartres. L'émailleur les livre au château de Saint-Germain-en-Laye en 1547 à Henri II, qui vient de succéder à son père, défunt. Et c'est Henri II qui va les destiner à l'embellissement du château de Diane de Poitiers, où ces plaques sont installées dans la chapelle vers 1552. Des documents d'archives nous apprennent que 12 tableaux de peinture sur papier avaient été fournis pour servir de patron à l'émailleur de Limoges, par un peintre actif à Fontainebleau qui s'appelle Michel Rochetel. Cependant, l'invention, c'est-à-dire vraiment celui qui est à la source de la création, ce n'est pas Michel Rochetel, mais un peintre bien plus célèbre, puisqu'il s'agit du Primatis lui-même. En témoignent des études du Primatis qui sont conservées au Louvre, et notamment cette étude de drapé pour Saint-Paul, vous voyez, qui est bien à mettre en lien avec le Saint-Paul de la série des apôtres de Chartres.
Léonard Limousin est également l'auteur d'un grand nombre de pièces de vaisselle émaillées en grisaille. Ces pièces, cette vaisselle était très appréciée par la clientèle au milieu du XVIe. Mais comme on l'a vu, il est aussi très spécialiste des portraits des grands personnages du royaume. Il est sans doute soutenu par un atelier important. Et parmi les multiples exemplaires conservés, de taille et de format très divers, celui du connétable Anne de Montmorency, datée de 1556, témoigne de l'influence du répertoire décoratif du château de Fontainebleau. En effet, son cadre en bois doré, qui a également fait l'objet d'une étude en 2016, adopte une forme complexe de courbe et de contre-courbe, enserrant les émaux, associée à un décor de cuir découpé. Alors, les cuirs découpés sont des motifs typiquement bellifontains, comme vous le voyez ici, par exemple, qui évoquent l'enroulement d'une feuille souple de cuir. De chaque côté du portrait, on voit des satyres, enfin donc des plaques peintes en grisaille avec des rehauts d'or qui montrent un faune et une faunesse qu'on retrouve, dont on trouve les modèles, dans les stucs de la galerie François Ier au château de Fontainebleau. Le décor, évidemment, de cette galerie bien, bien célèbre est d'une extraordinaire richesse iconographique. Il est dû à l'artiste italien Rosso Fiorentino, qui travaille dans les années 1533-38. La place de ce décor dans le développement de la Renaissance française est bien connue et il apparaît naturel de considérer qu'il était très familier à l'émailleur du roi. Revenons à l'histoire de nos retables. Au milieu du XVIe siècle, Henri II entreprend de rénover l'aménagement et le décor de différentes chapelles royales qui s'enrichit alors de son emblématique. Après les chapelles de Saint-Germain-en-Laye et de Vincennes, dont on a parlé pour les vitraux, c'est celle du Palais de la Cité de Paris qui reçoit un buffet d'orgue et une clôture de chœur en menuiserie qui s'élève du sol jusqu'à la base des verrières. On garde la mémoire de cette nouvelle disposition grâce aux gravures de Pierre-Nicolas Rançonnette, faites pour un ouvrage du chanoine Morand, sur lequel on reviendra rapidement tout à l'heure, l'histoire de la Sainte-Chapelle. Amovible, la clôture est conçue pour permettre de dégager l'espace du chœur au moment des fastes liturgiques. Elle est percée, donc on le voit, on a un plan et une élévation. On voit que cette clôture est percée au centre d'une porte, bien ici. De part et d'autre se répartissent 5 travées hiérarchisées avec une travée centrale qui accueille un autel. Donc on a 2 autels latéraux, on devine ici, sur lesquels étaient placés nos retables émaillés. Les panneaux de boiserie de ce chœur sont sculptés de décors de cuir en bas-relief avec les chiffres et les croissants de lune de Henri II. Aucune archive ne nous donne l'identité de l'architecte responsable de ces travaux d'aménagement, mais il est probable qu'il s'agisse de Philibert Delorme avec la collaboration du menuisier Francisque Sibec de Carpi, tous deux acteurs du programme de rénovation des chapelles royales sous Henri II. Même si les circonstances de la commande de ces émaux, il est vrai, sont déjà bien connues grâce à toutes les informations que l'émailleur a pris le soin de porter sur les plaques. Je vous rappelle qu'on a donc de nombreuses signatures et dates. On a 3 fois la date 1552 et 13 fois la date 1553 sur les plaques. C'est cependant la découverte d'un document exceptionnel en 2001 par Guy-Michel Leproux, qui a permis de compléter nos connaissances sur ces retables. Il s'agit du marché passé entre le roi et Léonard Limousin. Donc, vous voyez, ce marché passé entre Léonard Limousin et Mailleur et le roi. Cet acte notarié nous permet d'apporter d'abord des précisions sur la date. Vous avez vu qu'on a 2 dates, 1552 et 1553. Pourquoi ? Comment expliquer cette présence de ces 2 dates? En fait, cette présence s'explique lorsque l'on sait que sous le règne de Henri II, l'année commençait à Pâques, donc en avril. Or, la signature du contrat est datée d'un mercredi 15. Malheureusement, l'état de conservation, le mauvais état de conservation du document ne permettait plus de lire la date, mais on sait qu'un mercredi 15, cette année-là, ça tombe en février ou en mars. Et février ou mars, c'est encore 1552. Puisqu'on passe à 1553 qu'à partir du mois d'avril. Donc tout est cohérent. Si l'émailleur a reçu ce contrat le 15 février ou le 15 mars, cela lui laisse à peu près 6 mois pour réaliser la totalité des plaques, 46 je vous rappelle, puisqu'il doit les livrer en août 1553 pour la Sainte-Chapelle.
Alors ce portrait nous explique donc voilà, ce que l'émailleur doit faire, deux tables d'hôtel pour servir aux deux hôtels étant aux deux côtés de la porte du cœur de la Sainte-Chapelle du Palais-Royal à Paris. On a l'iconographie, le crucifixement, la résurrection de notre Seigneur. On a aussi les portraits royaux, les portraitures priant à genoux de feu le roi François, de feu la reine Claude, du roi notre sire et de son épouse à présent régnant. Voilà. On a d'autres informations vraiment intéressantes, donc notamment la mention de trois portraits. Alors, les portraits, ce sont des dessins, puisque visiblement l'émailleur a fourni trois dessins, dont l'un, donc voilà, selon les portraits que le dit Limousin a baillé, c'est-à-dire a montré au dit seigneur, de la forme, hauteur et largeur que est le plus grand des dix trois portraits. Donc visiblement, un des trois dessins avait la taille réelle, était vraiment à la taille réelle de la réalisation des retables. Il a aussi donné une plaque pour montrer la qualité de l'émaillage qu'il devait fournir, et donc cette plaque, la voilà, voilà, de semblable étoffe et matière qu'une pièce qu'il a baillée au dit Seigneur de l'histoire de la descente du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. On a aussi information de la somme que Léonard Limousin va toucher pour cette réalisation, la somme de 276 livres tournois, ce qui est une somme assez élevée, hein, que pour des dimensions similaires, seules des pièces brodées ou orfévrées pouvaient atteindre à l'époque. Le document fournit enfin des informations sur l'aspect primitif des retables et notamment la présence de deux volets. Alors là, c'est dans la partie ici en haut. Donc ces deux volets étaient peints. Leur fabrication a été laissée sous la responsabilité de l'émailleur, donc qui a dû s'adresser à un peintre, et qui s'est engagé à faire peindre de fleurs de lys d'or sur fond azur et d'inscriptions dont on ignore le contenu en lettres d'or sur les faces internes. Revenons sur l'histoire de ces retables du XVIe siècle au XIXe. Alors, la présence des retables au sein de l'un des édifices religieux majeurs de la capitale a naturellement favorisé leur reconnaissance, sinon leur célébrité. Dès le début du XVIIe, on a connaissance d'érudits qui viennent visiter la Sainte-Chapelle. C'est seulement au XVIIIe, en revanche, qu'on a traces écrites et visuelles, vous allez voir, vraiment des retables dans la Sainte-Chapelle. On sait que la Sainte-Chapelle fait partie des monuments qui attirent énormément, notamment les Anglais, sur la route du Grand Tour en Europe. On a des témoignages, on sait que William Coole, antiquaire et ami du célèbre collectionneur Horace Walpole, est venu en 1766. Horace Walpole lui-même a visité et a fait une petite remarque dans son journal sur les retables, qu'il trouvait très beaux. L'année suivante, le 14 juin 1767, c'est le dessinateur Gabriel Saint-Aubin qui exécute un croquis relativement précis des deux panneaux. C'est vraiment un document tout à fait incroyable. C'est le premier document visuel qu'on ait conservé de ces retables. Donc, sur ce croquis sur lequel il annote vraiment toutes les inscriptions, hein, les devises, mais aussi, ça c'est l'inscription qui est ici, en bas de la crucifixion, donc vraiment, il prend en note les inscriptions de l'émailleur. Il fait aussi une petite mention, et à propos des émaux, il note « fort écaillé », au pluriel. Donc les émaux déjà étaient en mauvais état et le dessinateur a observé ce problème de conservation sur lequel on va bientôt revenir. Ce dessin, qui est donc vraiment exceptionnellement conservé, il est aujourd'hui à Épinal, au musée départemental d'art ancien et contemporain, témoigne aussi de l'ordre initial des quatre médaillons, qui est un ordre. Les médaillons ont ensuite été intervertis au moment de la première restauration, en 1799, et nous avons aujourd'hui rétabli l'ordre tel qu'il apparaît sur le dessin de Saint-Aubin, qui est sans doute l'ordre initial, puisqu'on ne pense pas qu'ils aient été démontés entre leur création et la première restauration. Les principaux changements pour ces retables ont lieu à la Révolution, mais les vicissitudes de la Sainte-Chapelle commencent bien avant la période révolutionnaire. L'édifice coûte très cher et n'est plus entretenu correctement, ce dont se plaignent régulièrement le trésorier et les chanoines. Dès 1787, les Saintes-Chapelles du Royaume, et en particulier celles de Paris, sont supprimées. Le chanoine Morand entreprend leur défense dans le fameux ouvrage « Histoire de la Sainte-Chapelle royale du Palais », écrit en 1790. Le 2 novembre 1789, les États généraux, devenus assemblées constituantes, décrètent que tous les biens du clergé sont à la disposition de la nation. Dès le 22 novembre de cette année, commence donc l'inventaire des effets mobiliers de la Sainte-Chapelle et de ses dépendances et la mise sous scellé du trésor.
Les retables sont alors toujours dressés sur les autels tenant à la grille du cœur. C'est l'information que nous donne le procès-verbal dressé le 23 novembre 1790. Cette description nous apprend également que les panneaux étaient alors recouverts par deux portes, donc c'est une évocation des fameux volets dont on a parlé précédemment avec l'acte notarié, mais on voit qu'il y a une autre iconographie présente sur ces volets, donc d'un côté Saint-Denis et Sainte-Barbe, de l'autre Saint-Pierre et Saint-Paul. Bon, on ignore la date à laquelle les volets d'origine ont été repeints. Le transfert des précieuses reliques conservées dans l'édifice a lieu le 12 mars 1791 à Saint-Denis, tandis que la plupart des autres œuvres rejoignent le cabinet des médailles, la Bibliothèque nationale ou encore le dépôt installé dans l'ancien couvent des Petits Augustins. C'est dans ce dernier, transformé en musée des monuments français en 1795, que les retables de Léonard Limousin connaissent une nouvelle vie. Visiblement fasciné par les grands émaux de Léonard, Alexandre Lenoir entreprend de les faire restaurer. On conserve tout à fait miraculeusement la mention de cette intervention dans ses archives, avec cette évocation. Donc le 12 germinal 1799, je fais payer aux citoyens du Gast, par Louis-François, la somme de 72 francs pour la restauration des émaux que j'ai placés au tombeau de Diane de Poitiers. Les deux tableaux d'autel sont installés, en effet, en alternance avec deux autres plaques émaillées, les plaques des apôtres des Feuillantines, qu'on a évoquées tout à l'heure, dans une mise en scène spectaculaire sur le piédestal du tombeau de Diane de Poitiers. Vous avez là donc deux images qui illustrent, l'une un petit peu plus idéalisée à la façon des ruines, donc une peinture d'Hubert Robert. Vous voyez ici le tombeau de Diane de Poitiers et sur les quatre faces donc, du piédestal, les panneaux de la Sainte-Chapelle alternant avec les apôtres des Feuillantines, sur le dessin de Jean Lubin Vauzel, sans doute plus réaliste, donc cette salle d'introduction du musée des monuments français, avec également ici l'un des panneaux. Les retables, donc Alexandre Lenoir s'entoure de nombreux artistes comme ce Vauzel, Jean Lubin Vauzel, qui exécute de nombreux dessins au crayon, à l'encre noire, au lavis, à l'aquarelle, qui seront ultérieurement réunis dans trois albums factices qu'on appelle les albums Lenoir. Les retables sont documentés de façon vraiment tout à fait exceptionnelle dans ces albums Lenoir par 26 dessins individuels présentant la totalité des plaques historiées. Certains d'entre eux donnent à voir l'état dégradé des plaques émaillées avant leur restauration. Vous avez donc là un dessin en couleur de la crucifixion qui présente, vous voyez dans la partie basse ici, cette sainte femme et la Vierge évanouie. Vous voyez qu'on ne voit pas leur manteau, tout simplement parce que sans doute les mailles avaient déjà dû tomber à cette époque-là. Donc le dessinateur vraiment montre l'état réel de l'objet. Sur d'autres dessins, comme celui signé Vauzel, la plupart des dessins ne sont pas signés, celui-là est un peu une exception. Sur le dessin de la résurrection, on a plus une vraie restitution très belle des plaques sans information sur les éventuelles lacunes. Donc on a un petit peu vraiment un état assez varié de ces plaques à cette époque. Alors pour en terminer avec l'histoire de ces retables, ils sont remis au musée du Louvre en 1816, au moment de la fermeture du musée des monuments français. Ils sont ensuite exposés dans la galerie d'Apollon et le reste jusqu'au milieu du XXe siècle. Ils sont depuis 1993 présentés dans les salles du département des objets d'art aménagées dans l'aile Richelieu. Aujourd'hui, le panneau représentant la crucifixion est présenté dans l'exposition Petite Galerie consacrée à l'art et au pouvoir et le second panneau est toujours présenté dans la salle 16 du département. Je laisse la parole à nouveau à Béatrice qui va vous parler des altérations et ensuite des différentes étapes de restauration. L'utilisation de paillons métalliques entre deux couches émaillées est à l'origine de la principale altération présente sur ces panneaux. Les lacunes d'émail sont uniquement situées sous les paillons d'argent. La présence de paillons, souvent de grande dimension, entraîne des faiblesses d'adhésion de l'émail. Au refroidissement, il se crée un gradient de température entre les surfaces sur paillon qui conservent la chaleur et les autres surfaces émail sur émail qui refroidissent beaucoup plus vite. Une cassure se forme autour du paillon, entraînant le soulèvement et la perte de l'émail. Je ne peux pas vous montrer cette altération sur ces retables car nous n'avons pas retiré les comblements. Je vous rappelle qu'ils étaient déjà restaurés. Mais Léonard Limousin
a réalisé peu après, en 1557, la série de la vie du Christ conservée au Musée national de la Renaissance à Écouen, qui présente la même altération. Sur cette annonciation, l'émail vert posé sur le paillon a pratiquement disparu. Vous voyez, il ne reste que ça. Et il en est de même du paillon d'argent, dont il reste quelques traces, mais on voit qu'il est très sulfuré parce qu'il est à l'air libre. Et on aperçoit le dessin préparatoire qui était posé. Les lacunes des deux retables sont observées dès le XVIIIe siècle, comme en témoigne la remarque de Gabriel de Saint-Aubin. Ils ont été restaurés très tôt, dès 1799, à l'initiative d'Alexandre Lenoir. Par la suite, les seules traces de restauration en notre possession sont deux clichés de Giraudon conservés au département des objets d'art. Ce photographe a travaillé une trentaine d'années pour le Louvre entre 1930 et 1960. Vous avez à gauche le cliché avant 1938 et à droite un cliché que l'on situe vers les années 1960. Ces deux clichés montrent un état différent et des propositions de réintégration différentes également. Or, la seule restauration attestée après celle de 1799 est celle menée par la Maison André vers 1937-1938 à l'occasion de grands travaux de nettoyage et de restauration des objets de la galerie d'Apollon. C'est cette intervention qui est visible sur ce panneau. Le cliché le plus ancien, quant à lui, montre un état très dégradé avec une retouche écaillée et des pertes de matière qui laissent voir la feuille d'argent. Il est tout à fait possible qu'il s'agisse là de la restauration de Dugas de 1799 qui aurait eu 139 ans quand la maison André intervient en 1938. Le dessin y est bien intégré et il s'harmonise avec les relevés de l'album Lenoir. L'état hétérogène des restaurations observées en 2016 nous a amené à décider d'une nouvelle intervention uniquement sur les plages les plus dégradées des panneaux. Les quatre médaillons et les plaques centrales de chaque panneau ont été démontés en les dévissant par l'arrière. Et les autres plaques, inamovibles dans leur cadre, ont été restaurées in situ. Seules les retouches anciennes, illisibles ou présentant des décolorations, ont été reprises. Après quelques tests, le retrait des anciennes interventions a été réalisé avec des tampons d'éthanol. Vous voyez ici ma collègue Agnès qui est en train de retirer une ancienne restauration sur l'ange au fouet avec un petit coton imbibé d'éthanol. L'ancienne retouche est extrêmement soluble. Sous la retouche, on distingue un seul type de comblement, blanc et très dur. Il est recouvert de deux types de supports argentés qui remplaçaient le paillon disparu, une feuille métallique et une couche argentée posée au pinceau. Les comblements ont dans l'ensemble tous été préservés, mais abrasés, de façon à ne plus dépasser sur l'émail original, ce qui a permis de retrouver un peu plus de surface émaillée. Quand un émail sur paillon se détache, il reste toujours sur le pourtour de la plage émaillé des écailles qui renseignent le dessin et la couleur de l'émail. Nous sommes sur la surface nuagée de part et d'autre du Christ de la Résurrection. Vous avez cette surface qui a été dérestaurée avec ce petit fragment d'émail bleu qui a été retrouvé sous le comblement. Et en fait, ce petit fragment nous a apporté une information qui nous a fait remettre en question l'ancienne proposition de réintégration qui était un drapé. Vraisemblablement, la maison André ne connaissait pas l'album Lenoir. Et à partir de cet album, nous avons fait une proposition plus nuagée. Vous avez ici l'ancienne proposition et la nouvelle proposition. Vous voyez à quel point ça peut être différent et à quel point l'album Lenoir nous a éclairé sur ces grandes lacunes. À ce stade de l'intervention, la difficulté est de restituer l'extrême transparence des émaux et la réflexion de la feuille d'argent. Il n'était pas possible d'utiliser un nouveau paillon d'argent qui aurait posé des problèmes de conservation.
en réagissant avec les matériaux et l'ancienne restauration et ceux de la retouche. Deux choix ont été proposés pour retrouver la sensation argentée, une couche d'acrylique micassé et de la poudre d'argent dans un liant paraloïde. Les couleurs ont ensuite été posées par petites touches juxtaposées. Afin d'éviter les problèmes d'interprétation, la réintégration a été limitée à la prolongation du dessin existant. Et lorsqu'aucune documentation ne renseignait le dessin, l'intervention s'est limitée à une plage colorée, comme c'est le cas du manteau de Claude de France. Donc vous avez ici le manteau tel que nous l'avons trouvé en 2016 et la restauration qui a été proposée. Nous n'avions aucune information sur le plissé, sur le mouvement de ce manteau, donc Agnès a préféré faire un aplat coloré. Je vais vous présenter une autre restauration, les interventions sur la plaque de la mise au tombeau. L'album Le Noir possède deux relevés de cette plaque. Le premier est rapide, à l'encre brune, avec deux lacunes bien visibles sur le voile de la Vierge et sur le manteau de Joseph d'Arimathie. La robe de Nicodème, vers 1800, est encore intacte, mais elle ne l'est plus quand la maison André intervient en 1938. Le second relevé, le dessin au crayon avec des traits de sanguine, est une proposition complétée de cette scène, plus détaillée que l'émail ne l'est réellement. C'est de cette proposition de réintégration que s'était inspiré Dugas en 1799. Plus tard, la maison André ne semble pas avoir retiré les comblements. Elle a donc pratiqué à une reprise de réintégration du décor sur l'ancien comblement. La proposition est ici différente, avec le voile de la Vierge très plissé et rouge comme la robe. La couleur du manteau turquoise de Joseph d'Arimathie est également assombrie et décolorée. Le retrait des retouches et le retrait des débordements de mastic a mis à jour plus d'émail, ce qui a précisé la délimitation des plages colorées. Vous voyez notamment ici, il y avait une grosse surface mastiquée qui a permis de redessiner le manteau et cette partie-là. Également pour le voile de la Vierge. Après avoir repris la couche argentée qui avait disparu avec la mise à niveau des comblements, la retouche a été réalisée avec des couleurs Maïmeri pour la restauration. Elle est basée sur les dessins de l'album Le Noir. Comme Béatrice vous l'a montré, nous n'avons pas envisagé une restauration fondamentale de ces deux œuvres, mais en supprimant les retouches anciennes altérées, l'opération de réintégration a permis de donner une lisibilité et une cohérence chromatique aux deux retables de la Sainte-Chapelle qui, je le rappelle, constituent le seul ensemble connu de retables en émail peint ayant fait l'objet d'une commande royale. Et on peut tout de même noter qu'ils sont arrivés jusqu'à nous dans un état quand même exceptionnel malgré ses lacunes. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont aidés à la fois pour le travail sur le livre qui est publié aujourd'hui même, ceux qui ont aidé à une meilleure connaissance de l'œuvre elle-même, notamment nos collègues du Centre de recherche et de restauration des musées de France, et puis toutes les équipes du Louvre, installateurs, supports muséaux, et bien sûr toute l'équipe de l'auditorium. Merci pour votre attention.